Une délégation de 12 évêques est venue visiter le salon de l'agriculture lundi dernier. Cela a été l'occasion pour nous d'abord de rencontres plus institutionnelles, les chambres d'agriculture, l'Institut national de la recherche agronomique, les syndicats, que sont la Confédération paysanne ou la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, les écoles catholiques investies dans la formation des élèves dans le milieu agricole, et enfin la filière du bio. Une occasion d'ouvrir notre intérêt, notre cœur, et d'entrer encore davantage dans la compréhension du milieu agricole qui, il faut bien le reconnaître, est très complexe. Les difficultés rencontrées par cette filière ont pu s'exprimer aussi avec un certain nombre d'incohérences qui marquent la réglementation, les injonctions qui peuvent parfois être données. Cette visite a été pour moi en plus l'occasion de rencontrer encore quelques producteurs au Marnais. Malheureusement, les éleveurs dont j'ai pu voir quelques spécimens du troupeau étaient absents sur leur stand au moment où je suis venu. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de redire tout l'intérêt que l'Église et personnellement aussi que moi-même je porte pour le monde agricole. Sa souffrance révèle aussi une souffrance plus large, qui est la souffrance de la société dans laquelle nous vivons. Puissent nos dirigeants, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls, contribuer à ce que chacun puisse retrouver la dignité de son métier.